Eh bien, bonjour à tous. Oh putain, mon micro il est à l'opposé de moi. Merde. Actuellement, je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de chansons qui sortent, et ça c'est tout simplement parce qu'en fait on m'a demandé si c'était possible de sortir un album, et du coup j'essaye de bosser un maximum dessus. Vous en saurez beaucoup plus dans une prochaine vidéo là-dessus. Et en fait je fais ça aussi derrière pour temporiser un peu le gros projet qui se met en place, parce que c'est quelque chose qui demande à plusieurs équipes de travailler, à plusieurs personnes de faire des trucs un peu de leur côté, et ce qui fait que du coup bah ça prend du retard, et il faut quand même que je mette du contenu régulièrement sur la chaîne, histoire de déjà pas baisser niveau... niveau référencement YouTube, déjà qu'il est pas très haut. Et du coup c'est pour ça qu'actuellement la chaîne YouTube elle ressemble plus à une chaîne musicale en fait. Et du coup je vais rebondir là-dessus pour vous expliquer pourquoi on fait une vidéo là maintenant tout de suite comme ça à l'arrache. J'ai reçu un MP de Dvex. Oh putain, mais arrêtez avec vos noms, sérieusement, mais achetez-vous des noms normaux. Et du coup apparemment il s'appelle Nefemos, déjà c'est plus prononçable. Et du coup il s'est dit que lui aussi il allait faire une cover d'une des chansons, donc je ne sais pas laquelle c'est encore, d'ailleurs on va la télécharger histoire que voilà, ça se passe bien. Et du coup on va écouter ça, et je vais re-switcher sur mon sur ça, tu vois, parce que du coup c'est important de voir ma réaction en live. Regardez-vous, le monde autour de vous n'est-il pas terne et sans goût? C'est un peu dommage qu'au bord du naufrage, personne ne voit ce personnage. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, que doit-il être fait pour faire comprendre qu'il a un problème? Que les méfaits soient vus et les faits, stop enfin le requiem. Ne croyez pas, mais je suis sûr qu'il a un rôle fait sur mesure pour chacun d'entre nous bien taillé, respectant votre volonté. Que mes paroles fendent les airs, que mes mots résonnent sincères à vos oreilles et à vos cœurs, je souhaite respecter vos valeurs. Vous ne me croyez pas, mais je suis sûr qu'il a un rôle fait sur mesure pour chacun d'entre nous bien taillé, respectant votre volonté. Que mes paroles fendent les airs, que mes mots résonnent sincères à vos oreilles et à vos cœurs, je ferai respecter vos voeux. Je ne veux pas, ne veux pas, ne veux pas de votre pitié. Moi je recherche une solution à long terme. Je ne veux pas, ne veux pas vous voir vous aussi sombrer. Vous sauverez, le ferez avant que vos cœurs se ferment. En fait, du coup, au début, je suis parti vraiment sur le comparatif avec Takumi. Takumi, tu vois, je m'attendais pas à un truc fou. Il m'avait quand même offert un bon moment, tu vois. Et en fait, là, ça m'a tellement surpris que quelqu'un utilise ma technique, en fait. Je suis désolé de dire ça, mais je suis heureux, en fait, que quelqu'un essaye de faire avec cette technique là. Du coup le fait que tu y arrives aussi bien, en fait, le fait que il y a quand même beaucoup de choses qui sont respectées. Le rythme il est peut-être pas toujours là, mais il est quand même assez présent. T'auras beau dire que la fin était un irep, moi je l'ai kiffé. Moi franchement j'ai kiffé cette fin. Vous aurez à vos cœurs, je ferai respecter vos valeurs. Je pense que tu peux être fier de toi. Ah, je suis content là, t'as pas idée à quel point. Enfin, je pense que ça doit son visage, tu vois, c'est vraiment c'est pas de l'overreact du tout. J'essaie pas de donner plus d'émotion que ce que j'en ai. C'est vraiment ça m'a fait ultra plaisir. Du coup, si on peut se servir de cet homme incroyable pour relancer la chose, en fait, pour vous motiver, vous tous, n'importe qui, à tenter de prendre votre Audacity et à chanter n'importe quelle chanson, sachant que l'instrumental et les paroles sont toujours dans les descriptions, et ben allez-y. Moi je veux savoir qu'est-ce que ça donne avec vos voix. Y a rien de plus enrichissant, en fait. Enfin, moi c'est mon point de vue, tu vois. Je te raconte une anecdote. C'est parti pour une nouvelle anecdote. Ça tourne en ennui, je trouverai l'antide. Alors, c'est oui, tout. Et puis, sans vie. Nous, on s'en fout. Anecdote. Ça fait peur. Oui, j'ai mis l'intro exprès. Tu vois, quand Winzy est venu ici, alors que je l'avais jamais vu, ça faisait 2 ans que je le connaissais via VRChat, je l'ai forcé à chanter pour le présenter, parce que j'ai pas envie de faire une présentation banale. C'est un peu incroyable de tester cet effet-là sur la voix des autres, parce que, mine de rien, moi, c'est un effet que j'utilise principalement parce que ma voix a cappella, en fait, c'est comme toutes les voix a cappella, c'est-à-dire que ça rend pas bien, en fait. Et le fait de l'entendre sur d'autres personnes, je trouve ça génial, en fait. Je sais pas, peut-être un kiff de ma part, mais... Et du coup, j'aimerais vraiment que vous soyez beaucoup plus à tenter ça, tu vois. Mais ça fait plaisir, des gens comme ça. Ah, il en faut plus.